Bonjour et bienvenue sur la magie des estampes. Aujourd'hui, je me suis vraiment inspirée, j'ai été très inspirée par un article dans notre revue pour les démonstratrices qui s'appelle le Stampin' Success. On reçoit ça à chaque trimestre par la poste et c'est un moment de pur bonheur. En fait, j'ai vraiment copié, j'ai ajouté que quelques variantes parce que c'était trop intéressant. Je vais vous présenter aujourd'hui les framelits.ctia ouvragés avec le jeu parfait.ctia que vous pouvez aussi acheter ensemble à 10% de rabais ou bien séparés sans le 10%. Alors regardez ici, ça, c'est une revue qui est pleine d'idées. Donc quand vous achetez la trousse de base, que vous soyez vendeuse ou pas, vous recevez ça, c'est vraiment génial. Je vais vous montrer la différence. C'est vraiment bien ce qu'ils ont fait ici. Ils ont montré une carte où on a coupé avec les framelits pour toute la carte et l'autre qu'on a gaufré avec les tapis pour gaufrer. Et vous avez le même exemple ici. Je les ai faites en vrai pour vous montrer ce que ça donne. Alors ici, vous allez voir que ces deux pièces-ci vont être découpées avec vos framelits. Ce sont celles-ci. Et puis, dans le fond, le reste, il ne faut pas que vous oubliez, quand vous achetez ça, vous tournez de côté pour avoir la belle fleur ici. Et cette pièce-là, je m'en sers beaucoup, beaucoup. Je vous montre ça tout de suite. Avec ce jeu d'étampes-là, vous avez deux étampes que quand vous allez les étamper, elles vont être découpées. Donc ici, je les ai faites de deux façons. Colorier avec les marqueurs Stampin' Blends parce que j'aime trop ça. Et ici, j'ai été vous montrer qu'est-ce que ça ferait si vous encriez simplement avec vos marqueurs Stampin' Red. Ça fait un effet complètement différent. Donc, j'ai colorié, étampé, passé ça dans la Big Shot avec mes framelits. Autre chose, la belle pièce ici que je vous disais, écoutez, c'est vraiment de toute beauté. C'est très actuel aussi. La fleur, elle est complètement géniale. Je vais vous montrer dans le fond, je vais vous montrer d'autres petits trucs, ok? Ici, vous avez deux pièces qui donnent ça quand on découpe. C'est le fond, on peut faire des coins avec ça, mais je vous ai découpé le contour, il n'y a pas de framelits pour ça, là, pour vous montrer ce que ça fait. Alors, sur une carte, une base de carte, je suis venue placer les deux pour avoir mes deux coins. Donc, je ne suis pas obligée de placer le passé deux fois dans la machine. J'en ai deux. C'est-tu pas génial, ça? Et puis, la grande pièce que vous avez ici, ça nous sert aussi à faire des beaux coins. Je l'ai placée ici pour obtenir ceci. Et puis ensuite, j'ai été disposer par-dessus ma fleur. Donc, c'est celle-ci. Je suis venue la disposer pour aller couper. Ce qui est le fun, c'est que vous pourriez aussi utiliser, vous coupez votre grande fleur et vous utilisez le contour. Vous glissez ça ensemble dans la Big Shot pour vous retrouver avec une forme comme celle-ci. C'est-tu pas le fun? Et moi, là, quand je vois ça, c'est fin, c'est délicat. Ça va être super beau pour vos projets. Donc, c'est à ça que ça sert d'avoir le contour comme ça ici. Alors ici, je pourrais simplement venir coller par-dessus et regarder comment c'est beau. Je mets un petit vœu sur une base de carte rouge, par exemple. Ça serait déjà une carte en soi. Vous avez plusieurs petites branches aussi qui vont être découpées. Ça, pour Noël, c'est un passe-partout extraordinaire et pour le reste de l'année aussi. Vous avez des petites baies de houx. Là, il y a des pièces que j'ai pas pu mettre parce qu'elles sont quand même petites, là. Et vous avez des branches doubles. C'est le fun, ça! Alors, on va comparer tout de suite les cartes que j'ai faites. Celle-ci, vous pouvez voir, c'est tout simplement coupé comme on fait d'habitude. Et j'ai rajouté divers éléments. Ça, c'est en rouge-rouge. Ici, j'ai vert olive et puis limonade à la limette. Et puis ici, le petit ruban, mais le mini galon à sequin. Eux autres, ils ont pris du doré, j'en avais plus. Mais le argent sort super bien aussi. Pour les fêtes, c'est vraiment le fun. Et puis ici, calico coquelicot avec vert olive sur limonade à la limette. J'ai ajouté des petites étoiles et des sequins. Eux, ils ne l'avaient pas mis, mais je trouve que ça fait encore mieux. Et j'ai vaporisé avec ma recette de Smush Spritz maison qui utilise la peinture brume de champagne
à peu près une demi-cuillère à thé dans une solution de l'alcool à friction, 70%, c'est de l'isopropyl, pardon, pour les Françaises qui me l'ont demandé. Alors, ici, on voit la différence, ça a été gaufré au lieu d'être coupé. Vous pouvez utiliser le tapis de gaufrage pour gaufrer au lieu de couper avec la plupart de vos framelits, thinlits, edgelits. Et Stampin' Up! Nous dit que plus nos edgelits, thinlits, framelits sont détaillés, plus ça fait beau quand c'est gaufré. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. Au début, quand j'ai reçu mon tapis, mon plioir ici, le tapis de gaufrage, je me disais, mon Dieu, je vais me casser la tête. Puis là, je m'étais fait des petites notes, puis je vous ai déjà fait une vidéo. Finalement, c'est encore plus simple que vous pouvez penser. Ça dépend comment votre Big Shot, elle presse. OK? Mais moi, je suis rendue que j'oublie le tapis bleu juste en fonctionnant avec le tapis gris. Ça va super bien. Là, je vous donne un exemple rapidement parce que je l'ai déjà montré, mais je trouve que ça peut vous montrer à quel point, en quelques secondes, c'est facile. Je peux venir m'aligner avec le point directement. Ici, si vous utilisez du washi tape, faites attention de ne pas en mettre trop sur votre carton. Ça peut arracher. Ou faites attention en le décollant, tout simplement. Ici, moi, j'ai l'ancienne plateforme. Donc, celles qui ont la nouvelle, vous n'avez pas à enlever ça comme je viens de faire. J'étais en train de l'oublier. Alors, ici, c'est bien collé. Je retourne de côté. Et mon tapis gris, la plateforme blanche qui vient avec le tapis de gaufrage. J'imagine que vous, ça peut varier un petit peu chez vous selon que votre Big Shot, elle coupe, elle presse plus que la mienne ou pas. Mais vous avez toujours, voyez-vous, je suis en train d'arracher, il faut y aller doucement. Vous avez toujours la possibilité de prendre le petit tapis bleu. J'ai été trop fort, voyez-vous, j'essaie d'aller vite quand je fais des vidéos. Regardez comment c'est beau. C'est tout gaufré et non, on ne coupe pas notre tapis. Il y en a qui disent, bon, peux-tu le couper? Si vous l'utilisez comme on vous le montre, il n'y a aucun danger. C'est fait pour ça. Et je vous montre qu'est-ce que ça serait à comparer. C'est pas plus long que d'aller couper comme on coupe d'habitude. Alors, je vais le poser dans l'autre coin. Là, je ne mettrai pas de washi tape, là. J'essaie d'aller plus vite. J'aime bien le passer deux fois. Et vous allez avoir besoin avec ça de votre petite brosse. Parce qu'il y a beaucoup de petits détails fins dans vos... Voyez-vous comment je m'en suis servie pour vous faire cette vidéo-là? Je pense que ça fait 2 heures que je bricole pour vous montrer tout ça. Même si c'est des modèles qui sont copiés dans notre revue pour démonstratrice. Voyez-vous, vous allez en avoir besoin pour les enlever. Mais également ici, pour aller les détacher facilement. OK? Donc, on voit tout de suite que ça n'a pas été plus long de gaufrer que de couper. C'est ça que je voulais vous montrer. Dernier truc, avant qu'on regarde les autres cartes. J'ai vu quelqu'un dans mon équipe qui a partagé un truc, mais je ne sais pas ça vient de qui. Je suis désolée. Donc, on s'est fait montrer souvent que pour user nos plioirs, nos tapis de coupe, pardon, j'ai de la difficulté aujourd'hui, hein? Alors, on s'est fait dire souvent que pour user de façon égale nos tapis de coupe, on devait varier tout le temps, en-dessus, en-dessous, de côté. Et ça fait qu'elle est presque neuve, puis elle est déjà très bombée. Des fois, ça rend même l'utilisation avec notre plateforme magnétique impossible. Donc, cette personne-là parlait de toujours garder le tapis en dessous, ben, à moins que vous mettiez vos plioirs pour qu'ils coupent par en haut. Moi, je mets toujours la tête par en bas, à part quand j'utilise mon plioir, mon tapis de gaufrage. OK? Donc, moi, quand je coupe, je mets toujours pour que ça coupe par en bas. Donc, ça tombe tout le temps ici. Je ne varie pas
Je le laisse comme ça. Voyez-vous, là, il y a quand même eu plusieurs coupes en quelques jours. Et j'ai fait attention, j'avais commencé au début à en faire quelques-unes dans l'autre avant de lire ce truc-là. Et là, je m'efforce de toujours le laisser comme ça. On le sent de toute façon, hein? On sent les encavures, donc il faut tout le temps qu'elles restent là. Si on n'en sent pas, c'est parce que, oups, je suis mieux de le tourner de côté. Il a commencé à peine à bomber, mais je soupçonne que c'est parce que je m'en étais servi quelques fois. Et cette personne-là disait que c'est important de commencer ça avec des tapis neufs qui n'ont pas servi. OK? Vous pouvez vous mettre un petit, je sais pas moi, un petit collant ici pour vous montrer que c'est toujours de ce côté-là que vous devez le prendre et de toujours le garder là avec l'autre qui vient toujours par-dessus sans nécessairement jouer à les tourner. Vous allez probablement, selon elle, ça réglait complètement son problème, le garder à plat le plus longtemps possible. On continue avec nos cartes. Donc ici, c'est le deuxième modèle. Plié comme... On continue avec nos cartes. Ici, c'est le deuxième modèle. Donc, coupé et ici, gaufré. Voyez-vous la différence? Donc, vous pouvez, avec ce lot-là, aller chercher beaucoup, beaucoup de textures en gaufrant parce qu'il y a des beaux détails. Et puis, vous pouvez faire ça avec tous vos frame lips, edge lips, thin lips. Donc, le lot parfait pour Poinsettia, pour moi, c'est un must cette année à Noël. Alors, voyez-vous, ici, ce que j'ai fait, j'ai gaufré en doré et j'ai colorié avec mes Stampin' Blends. Faites attention en coloriant, j'ai passé un petit peu par-dessus. Des fois, on perd un petit peu le doré. Donc, essayez d'éviter les contours dorés pour ne pas les perdre. Et puis, avez-vous vu ça, ça miroite? C'est que je me suis faite un autre Smush Pritz avec Or Las Vegas. C'est vraiment beau. Je me disais, j'ai du doré. Ça va être de toute beauté. Alors, pour celle-ci, je préfère celle qui est coupée. Quoique, c'est tellement beau les petits détails ici. Et pour mon deuxième modèle, j'aime mieux celui qui est gaufré. Le carton gaufré ici à comparer à couper. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le but ici, c'était de vous présenter le lot Poinsettia ouvragé, mais également de vous donner des trucs pour vous montrer que c'est pas plus long, pas plus compliqué de venir gaufrer que couper. Alors, j'espère que vous avez aimé ça. Et posez-moi vos questions, je réponds toujours rapidement. Passez-moi vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. N'oubliez pas de passer par la section « Apprenez avec moi », allez voir la bibliothèque sur lamagedesetampes.com. Apprenez avec moi, bibliothèque. Vous avez une mine d'or, là. OK? Alors, bonne journée tout le monde!